Ça va, je tout, bonjour. Aujourd'hui, chapitre c'est HSI, paper 1, database, mais section qui ne parle pas de relationship. Ok? Ben, différents types de relationship. Après, nous pouvons normalisation. Ok? Nous pouvons first normal, second normal, third normal. Et puis, nous pouvons faire papier l'examen. Bon, un enfant, il faut connaître qui veut dire relationship. Mais avant de connaître relationship, il faut connaître qui veut dire tables. Bon, dans Microsoft Access, tu as créé un table. Ça, c'est des affaires de petite classe, un tables. Ok, man tables et man fields. Voilà, regarde là, ça te trouver man tables. Ok, man tables et man tables te créer un field. Et dans man field là, te créer primary key. Mais là, te trouver dans Microsoft Access, nous capable faire relationship. Moi, tu fais ce pratique, ça regarde dans l'ancienne vidéo. Vous trouvez en man table, nous capable faire relationship. Bon, d'établir relié. Enfin, two tables can be related by a link. This is what we call relationship. This is a link, a relationship. Relationship between one table and another table, we call that a link, a relationship. Bon, pour des tables reliées, vous avez un command field. Qu'est-ce que des tables là? Premier table appelle department. Deuxième table appelle employee. D'accord. Qui field commande dans cette table là? C'est department ID. Department ID, il y a un command field. Ok, il y a un command field. Vous avez tous les deux, il y a department ID dans table department avec une department ID dans table employee. Veja department ID yen common field. Veja si yen common field, nous capable faire un relationship. Et tout le temps nous faire relationship depuis one, nous avons écouté many. Veja dans one department, nous capable in have many employees. Mais chaque employee li dans un seul département. Et tout le temps nous drag depuis one, de là, nous drag li comme ça, nous zip li dans many. So one to many, sa relationship la li one to many. Veja da one department, we have many employees. But that employee belongs to only one department. Ce qui m'a pu expliquer zot la, in a un tab, in a un lot tab. Au milieu sa de tab la, nous kava fè un link. Qui nous kava fè un link. Sa link la fè sa un relay, relationship. Veja de tab ka relié par un link, un relationship. Pour des tables reliées, vous avez un command field. Qui field commande dans cette table là? Dans le département table, nous avons department ID. Dans employee table, nous avons department ID. Vous avez department ID qui commande dans cette table là. Mais department ID, le primary key dans department table. Et department ID, il y a un foreign key dans employee table. Et sa relationship là, il y a one to many. Qui fait le one to many? Vous avez dans un département, tu es capable d'avoir many employees. Et si tu lis une autre façon, il y a une many to one. Many, qu'est-ce que ça symbole là? Many ça, et ça one ça. Si nous lis one department have many employees, relationship là, il y a one to many. Si nous lis l'envers, veut dire this employee works in one department. Là, il y a une many to one. Bon, ça c'est relationship dans Microsoft Access. Bon, là, ici, nous peut expliquer, nous avons une table, cette table appelle student, en dans l'île, nous avons une fille. Il y en a un autre table ici appelé course et en dans l'île il y en a un fields et au milieu de cette table là il y en a un table. Cette table là appelle student, cette table là appelle course et cette table au milieu là il appelle ça grade. Mais cette table student là il est capable de relier avec ça, il est capable de link avec cette table grade là. Qui field qui commande en cette là? ID est un command field, il est capable de link. Et ici, course ID. Ici, il y a un course ID, il y a un link. Get ça vert là, il est relié sa table student là avec sa table grade là. Get ça orange là, il est relié sa course avec sa table grade là. Et il y a un command field. Vert là, il peut link avec sa table. Il y a une table appelée student, il y a une table appelée course. Et au milieu de sa deux tables là qui peut link, il y a un table qui appelle ça grade. Grade, il y a un table au milieu de sa là. Maintenant, l'un est un student et un course. Si un élève a fait plusieurs cours et dans un cours il a fait plusieurs élèves, veut dire qu'il y a une many-to-many relationship. Il y a un élève qui a fait plusieurs cours et dans un cours il y a plusieurs élèves, veut dire que toutes les façons il y a many-to-many. Veut dire un élève fait plusieurs cours, il y a many. Dans un cours il y a plusieurs élèves, il y a many. Veut dire sa relationship là il y a une many-to-many. Et quand il y a une many-to-many relationship, il n'y a pas un good design. Et là, il n'y a pas un good design, nous devons mettre un link table au milieu. Nous devons mettre une table au milieu de cette table-là. Et là, nous mettons cette table-là au milieu. Nous devons prendre celle-là sur primary key, nous avons dit comme foreign key là. Et ça, l'autre table-là sur primary key, nous avons dit comme foreign key là. Et ça, deux fils-là, il est capable de venir un composite primary key. Soit nous ajoutons un autre fil qui nous fait living, comment ici, il met references.
Living in l'autre primary key. Soit, si nous passons service à l'autre primary key là, nous combinons cette foreign key là, nous faisons living in composite primary key. Veut dire, si nous avons un tab avec un autre tab, si ce relationship est many to many, pour régler sa solution là, nous mettons un link table au milieu. Et nous mettons ça link table là au milieu, nous prenons un autre primary key, nous avons dit là-dedans, living in foreign key, et nous prenons un autre primary key, nous avons dit là-dedans, living in foreign key. Soit nous connectons à des foreign key là, nous faisons living in composite primary key, c'est possible, ou bien nous servions l'autre fil par devant comme primary key. Veut dire, là nous expliquons comment un many-to-many relationship nous régler ce problème, il n'y a pas un good design, nous ajoutons un link table au midi. Ok? Vous avez étudié bien, vous avez maintenant, sans joli l'exemple, il peut expliquer un peu plus bien. Get ça, nous avons un tab appelé student. Et nous avons un tab appelé course. Veut dire un élève qui a fait plusieurs cours. Et dans un cours, il y a plusieurs élèves. Veut dire il y a un many-to-many relationship. Il n'y a pas un good design. Pour régler ça, qu'il nous fait? Nous mettons un tab au milieu. Sa tab au milieu, il appelle les grades. Mais comment il pour link lui? Il prend sa ID là, il connecte avec sa student là, couleur VL là. Il finit un link. Ok? Et sa ID là, il connecte avec sa course là. Il finit un link. Mais tout le temps, one too many. Ici, one too many. Tu comprends? Sa one. Too many. Ici, the one, too many. Ok? Veut dire là, sa relationship là, le one too many. Et sa relationship là, le many to one. C'est-à-dire, il depuis fort là. C'est-à-dire, il depuis de l'autre côté, le one too many. Et ça, c'est le link table au milieu. D'accord? T'as l'air de savoir une question d'examen, vous allez comprendre bien. Là, il explique encore plus en détail. Le mot de ça, sa table student là, sa table course là. Et là, le mot de ça, au milieu, dans le link table. Sa primary key là, link là, là, ça les primary key, ici il y a un foreign key. Ça les primary key là, dans l'autre tableau il y a un foreign key. Et ça, des foreign key là, nous allons combine them together, il y a un composite primary key. Soit, si nous passons ça comme un composite primary key, nous allons ajouter un autre fil indépendant ici, qui dit pour venir un primary key. Bon, ça c'est côté relationship. Ça aussi une jolie photo pour expliquer ça plus bien. Et là, il y a un student, un tab ça, class, un autre tab ça. Student, ce primary key, c'est student ID. Class, ce primary key, c'est class ID. Dans table student, nous avons student, là, c'est tout détail. Dans table class, nous avons class, là, c'est tout bon détail. Et dans un élève, il est capable de plusieurs classes, il fait anglais, français, mathématiques. Et dans classe anglais ou français ou mathématiques, il y a plusieurs élèves. Veut dire, il y a une many-to-many relationship, il n'y a pas un good design, mais vous avez un link table au milieu. Et dans ce cas-là, il met un link table au milieu. Il met un fil qui concerne enrollment. Il appelle ça table là enrollment. Il y a student ID de common et student ID de common. Il y a un élève qui a enrollé pour plusieurs courses. Il y a le one too many. Et dans une classe, nous sommes capables de plusieurs élèves. Il y a le one too many. Mais si nous y allons, comme ça, il y a le many to one. Si nous y allons, comme ça, il y a le one too many. Il veut dire, ça a des foreign key là. Nous avons combiné ensemble faire une composite primary key. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de faire ça. Il crée un autre primary key là-haut, indépendant de sa foreign key là. Il appelle ça un primary key. Il appelle enrollment ID. Un joli exemple ici, quand il montre comment il connecte sa trois tables là. Ok? Si il y a une question, je dis à moi, si il y a une question, je continue. Bon, un avant élève est arrivé, la plupart est arrivé, nous avons un chapitre database et nous avons un relationship. Ce diagramme là est un extra joli diagramme quand il montre les autres relationship. Veut dire le one to many et ici le many to one. Veut dire si un élève peut faire plusieurs classes et dans une classe il y a plusieurs élèves, les types entre student avec classe, les types un many to many relationship qui n'est pas un good design, nous avons besoin d'introduire un link table au milieu. Ce link table là, il appelle ça enrollment et pour relier ça des tables là, pour relier ça des tables là, il y a une command field et sa command field là, c'est student ID. Ok, c'est student ID. Maintenant, nous continuons à expliquer. Nous avons un autre diagramme. Ok, et voilà. Maintenant, là, nous avons l'autre. Nous continuons notre cela. Voilà, ça, nous avons déjà fini d'expliquer candidate qui. Nous avons fini de faire papier d'examen là-dedans. Nous, ça, tout ça, un terme là, nous avons fini d'expliquer. Qui veut dire entity, qui veut dire table, qui veut dire tuple, primary key, foreign key. Nous avons fini d'expliquer. Question d'examen, nous avons fini de faire. Nous pourrons directement. Une petite révision là. Voilà. Relationship, combien de types de relationship il y a? Ok.
Odd-bound-tab. Tu comprends ce qui veut dire relationship là? Odd-bound-tab. Il y a one-to-one. Qui veut dire one-to-one relationship? Je peux expliquer là. One-to-many. Qu'est-ce que symbole comment il dit? Ça one-to-one, ça one-to-many. Ça veut dire many. Et celle-là qui veut dire many-to-one. Et celle-là qui veut dire many-to-many. Allez, si j'aime correct, j'aime correct, moi vous ai expliqué. Ça va symbole là où vous avez connu. Ok? One to one, one to many et many to many. Si correct, correct, j'ai nous bisé, bousé. Correct, monsieur. Allez, right. Correct, non, allez. Allez, right. Correct, monsieur. Ah, Fanfan, il vini, ouais, il vini, mon bien, on t'attend de l'avoir. Allez, merci. Et encore l'autre Banzélé qui veut participer, surtout Soukan, très, très bien. Je vous ai participé, je vous ai causé pour moi, pour m'habituer aux autres. Allez, nous continuons. Bon, ça, quatre relationships là, nous faisons une petite révision là, nous pourrions rendre normalisation, nous ne pouvons pas trop galoper aussi. Nous avons guetté. Allez, ça, c'est vraiment correct. Bon, là, nous peut expliquer un peu plus en détail. Je veux dire, one to one. Ah, ça, one to one. Bon, moi, je faisais un petit carré là. Moi, je faisais explique entity. Et un petit carré là, un entity. Bon, je ne peux pas écrire là, mais je peux comprendre. C'est un élève qui a dessiné le mot l'écran, tu peux bon. Un petit carré là et un petit carré là. Je veux dire, carré là, entity, c'est un rectangle. Un petit rectangle, un petit rectangle, entity. Bon, je vais suivre ça l'exemple. Si un élève a envie de dessiner, il a dessiné pour moi. Et il a fait. Un petit rectangle là. Ouais, bien bon. Un autre rectangle à côté. Allez, bien bon. Bon, ça, on appelle ça un one-to-one. Allez, right. Maintenant, malheureusement, là, il a dessiné, ça bleu là, il efface ça, l'écriture là. Et moi, je vais trouver qui n'écrit là. Allez, ça, l'écriture. Ouais, là, il est bon là. C'est bleu là, plutôt. Rouge là, correct là. Mais, ouais, allez, nous expliquer. Bien bon. Là, je n'ai de moi là. Allez, nous prenons l'exemple. Très, très bien. Je n'ai de moi. Allez, one-to-one. Nous prenons l'exemple un one-to-one relationship. C'est un table, ça, hein, un entity. C'est un table entity. Bon, un one-to-one relationship, husband avec wife. Je veux dire là, nous avons écrit husband. Si quelqu'un a écrit lui, écrit lui. Et si quelqu'un a écrit wife là, il a écrit lui. Je veux dire, husband, tout bon husband nous mettons dans sa table. Tout bon wife nous mettons dans sa table. Ouais, bien bon. Si quelqu'un a écrit lui, tu vous le dis. Allez, ça, wife, bien bon. Ici, il écrit husband. Allez, allez. Bon, vous c'est expliqué, mes enfants vous comprennent. Il y a sur les chrétiens, je dis. Voilà, la carré, il a travaillé, il n'est pas fait, non. Vous voyez que nous, ouais, ça s'en bien avec la husband, avec sa wife. Très, très bien. Allez, qui relationship il y a entre husband avec wife? C'est la carrière, moi. Un husband, divisé en un seul wife. Bien, bon, ça les chrétiens là, bien, je dis là. Un husband, il y a un seul wife. Et sa wife là, divisé en un seul husband. Je veux dire, dans sa table là, mon pégard tout bon. Husband se détaille, et dans l'autre tableau, mon pégard tout bon, wife se détaille. Ouais, allez, nous continuons à suivre deuxième exemple. Oui, voilà. Allez, m'explique ça là. Nous suivons ça là avant. Avant, les enfants, vous suivez ça là avant pour m'expliquer ça. C'est une table ça. Nous pouvons garder tout bon husband ce détail là-dedans. D'après eux, qui va filer pour une là-dedans? C'est la carte diamant. Husband ID, husband name, husband. Non, non, t'as l'air en bas, t'as l'air en bas. Nous prenons là-haut là. Husband. C'est la carte écrite là pour moi avec un rouge là, même si pas une autre couleur là. Ici, écrit husband ID, husband surname, other name, address, telephone number. C'est la carte écrite là-haut là. Faites-moi la main était là. Là, regarde mon mouse. Là, husband ID, husband, ouais, husband ID. Si tu as VLI, tu as VLI, non? Ouais, comme ça, ouais, bien bon. Si tu as fait une vertical, husband ID, c'est là, husband name, husband other name, c'est pas address, c'est là qu'il y a écrit. Mais tu m'as envie, ouais, bien bon. Mais si tu n'as pas qu'à VLI, fait une vertical, si tu as VLI, non, pas grave. Allez, pas grave, laisse-y l'aime. Allez, si tu as mis un petit bord là, avec un petit bord là. Allez, ici, wife ID avec wife name, c'est ce qu'il y a écrit là. Ouais, bien bon, encore un. Ici, wife name, wife ID avec wife name. Très bien, les enfants l'avaient bien fait là. Très, très bien. Allez, mettez-le bien là, là-haut, là-haut. Très, très bien là, hein. Joli travail là. Allez, là, bien bon. C'est un archive, allez, mettez wife ID là-haut là. Mettez wife ID là-haut avec wife name là. Allez, un autre enfant pose là-haut là, ça. Ça va faire ça là, joli, mais il vient poser là-haut là, pareil comme ici. Quelqu'un qui a mis ça là-haut? Non. Pas grave pour ça là-haut, ouais. Allez, pas grave. Allez, wife ID, wife name. Dans sa table là, nous pouvons mettre husband ID, nous pouvons mettre husband. Ouais, il est bon là. Ok. Ça, c'est une bienfaite là, ici là. Quand mon mouse là, il était une bienfaite là.
husband ID avec husband name. Et ici, vous allez mettre wife. Allez, vite, 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 si tu peux faire ça là. Nous avons beaucoup de travail là. Fais-le pour nous comprendre. Oui, bien bon. Allez, continue. Allez, husband ID, husband name, wife ID, wife name, seulement des détails là. Oui, bien bon. Allez, continue vite, vite seulement. Et les enfants, tu peux faire ça très, très bien. Allez, moi, je vous pose une question là-dedans, là, si vous êtes fini, faire. Allez, vite, vite. Là, les bons là. Met wife ID, met wife name, wife telephone number, c'est pas toutes les histoires, mettez là. Là-haut, bien bon. Met arrow là. Bien bon. Bien bon. Ici, vous êtes quand même mettre husband name. Husband name ici. Arrow là, c'est bon là. Qui fait ce peu sans arrow là, là. C'est bon là. Ouais, là, limon là. Met... Ouais, bien bon. Ici, mettez encore un arrow là. Bien bon, bien bon. Ici, husband name. Bien bon. Allez. Allez, là, limon là. Gardez en place, moi, pour expliquer là. Bon, husband, c'est tout détail, puis garde là. Wife, c'est tout détail, puis garde là. Mais vous avez une relationship. Première question, moi, poser. Vous pouvez faire une relationship. Vous avez un common feel ou ça pas besoin d'un common feel. Allez, talent, alors, on va dans la phase. Tu as un talent, allez. Nous get ça. Pour un common feel, besoin d'un common feel pour une relationship. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Oui ou non? Oui. Oui. Allez. Qui fait? Oui, allez. Maintenant, qui choix tu es là? Tu as six des choix. Soit tu prends husband ID, tu mets là. Soit tu prends wife ID, tu mets là. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Besoin d'un common feel. Soit tu prends husband ID, tu mets là. Soit tu prends wife ID, tu mets là. Ok? Right. Allez. Laquelle tu veux faire? Tu mets husband ID là ou ça te met wife ID là? Allez, réponse, vite, vite. Je vais répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Allez, right. Get là. Husband, c'est tout détail dans sa table-là. Correct? Husband ID, husband name, ce téléphone number, sur l'adresse, pour dans sa table-là. Est-ce qu'il te comprend ça? Oui. Allez, right. Ça, tu disais qu'à wife ici, elle devine facile. Continue à écrire. Ça, wife, ce table, ça. Il y a wife, ce tout bas de détail là-dedans. Il y a wife ID, il y a wife name, il y a wife address, il y a wife, ce téléphone number, tout ce détail là-dedans. D'accord? Mais pour une relationship, qui vous a fait? Soit tu prends husband ID, tu as voyé dans sa table là, pour besoin d'un common feel, husband ID common. Soit tu prends wife ID, tu mets dans sa table là, et là, wife ID pour common le tout l'aider. Est-ce qu'il te comprend ça? Oui, monsieur. Allez, right, question. Qui te peut faire? Est-ce qu'il te prend husband ID, tu as voyé dans sa table là, ou soit tu prends wife ID, tu mets dans sa table là? Laquelle bon? Prends wife ID, tu mets dans sa table là. Allez, qui fait que tu prends husband ID, tu as voyé là-dedans? Si c'est husband ID qui peut le lien avec wife. Non, en fait, tous les deux bon. Soit tu prends husband ID, tu mets là-dedans, soit tu mets wife ID là-dedans, tous les deux bon. Parce qu'il fait, il y a une one-to-one relationship. Maintenant, à ce moment, faire N là-dedans. Allez, viens ici dans sa table wife là-là. Mets husband ID là-haut, vous pouvez expliquer. Allez, vite, vite. Mets un arrow, mets husband ID là. C'est la carte chip ça pour moi, vite, vite. Zélé qui est rapide. Zélé vient faire bien là. Ce qui Zélé vient travailler là-dedans, là, il est bon là. Ce qui Zélé qui veut faire. Ouais, bien bon. Allez, mets un arrow là-dedans. Allez, bien bon. Allez, husband ID ici, écrit PK, avec un autre couleur, écrit là où il PK. PK qui veut dire, qui fait mon écrit là où husband ID, mon écrit PK, ça n'a qu'à dire moi. Écrit là où, au moment où c'est écrit PK. Allez, vite, 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 vite. Ouais, qui fait mon écrit PK là où ça? Et si cas souligné lié avec rouge, si cas souligné lié avec rouge, souligné lié avec rouge, si vous êtes capable. Vite, vite, c'est l'écrit rapide. Avec un autre couleur, souligné lié. Allez, qui fait mon souligné husband ID couleur rouge? Avec qui fait mon écrit PK là? Tiens-moi, vite, vite. Ibrahim Ariki. Bien bon. Allez, dans sa table là, c'est là. Dans ta table wife. Laquelle primary Ariki? Écrit PK là. Wife ID. Allez, écrit PK là. Bien bon, ça c'est l'équipe écrit là. Fais-le. Vite, vite seulement, vite, vite. Allez. Ouais, souligné lié. Qui couleur t'es pour souligner lié? Rouge. Ah, bien bon. Veut dire, dans sa table husband là, husband ID le primary key. Dans sa table wife là, wife ID primary key. Maintenant, ici, mon husband ID dans sa table wife là. Qui est poétique? C'est un cas de moi. Très bien, très bien. Maintenant, pas souligner lui, pas mettre en bas. Mettre là-haut. Comment on appelle lui? Ouais. Mettre. Comment on appelle ça? Underline là-haut. Ouais, FK, bien bon. Et vous allez me finir sur les chrétiens, c'est plus joli. Ça, le classe qui est sa couleur là. Ouais, là. Mais regarde là, regardez, souligner, te souligner en bas là, mais pas souligner lié en bas, mettre sa barre là là-haut. Si on a quand même barre là là-haut, allez, mettez une autre couleur, là-haut. Ouais, une autre couleur seulement, zone. Allez, zone, pas quand même mettre zone. Allez, en bas là tirer, ça, en bas là tirer.
Sans, ouais, là, sans tirer, ça en bas, là, tirer seulement. Ouais, là-haut, bon, là, sans tirer, ça en bas, là, tirer. Ça rouge, là, tirer en bas. Non, je ne tire tout, là. Non, je ne tire tout. Undo, undo, vite, vite. On va le tromper, vas-y, les temps, là. Undo, elle aurait fait, là. Allez, ouais, une minute. Ok, maintenant, nous continuons. Ok. Nous continuons. Est-ce que tous les enfants comprennent qui common field dans sa dé là, c'est husband ID. Husband ID, ici c'est primary key. Ici c'est foreign. Foreign key. Bon, je vais finir facile. Ok. Maintenant, nous continuons. Aunt father avec children. Qui relationship il y a aunt father et children? And father, il y a beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là, il y a un seul papa. Veut dire, il y a one too many. Est-ce qu'ils ont bien compris? Allez, il y a écrit one too many ici. N avec colonne M. N colonne M. Ouais, N colonne M. One too many. Ouais, bien bon. Ça y est, one too many relationship. Maintenant, rappelle bien, là, les one too many relationship, sa primary key pour une autre phase, la phase ID là. Il peut aller là-bas. Veut dire, phase ID, il peut venir ici. D'accord? Il peut être one too many. Tu dois te prendre depuis one avec autre many. Est-ce que tu dois faire un comprend? Quel comment là, tu prends primary key là, one, là, vous dites autre many là. Veut dire, one too many. Maintenant, ici, il y a une many-to-many relationship entre student avec subject. Mais c'est moi, là, il y a une many-to-many relationship, rappelle bien. Au milieu, nous allons mettre un link table. C'est une rappel. Au milieu, nous allons mettre un link table pour les marcher. Un many-to-many relationship n'est pas un good design. Tout ça est correct. Au milieu, nous allons casser, nous allons mettre un many-to-many. Nous allons mettre un link table au milieu. Bien bon. Tous les enfants comprennent. Les là, qui nous fait? Nous prenons un autre primary key, nous mettons là-dedans. Et nous prenons un autre primary key, nous mettons là-dedans. Et sa relationship-là, vous allez effacer. Il y a one to many. Ici, il y a une many to one. Correct? Allez, nous continuons. Nous prenons l'autre question. Effacer. Efface pas tout, nous continuons. Bon, effacer propre, 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 propre. Voilà. Entre client avec visite. Un client qui a fait plusieurs visites. Et sa visite-là, un seul client. Un client qui a fait une visite, car il a plusieurs interviews. Et sa interview-là, il a une seule visite. Un interview. Bon, un staff qui a fait plusieurs interviews, mais sa interview là, un seul staff il fait. Bon, ça c'est encore un exemple. Maintenant, dans un pays, dans un country, il y a une seule capitale, et sa capitale là, il peut un seul pays. Voilà comment nous représenter. Dans un département, bon, on a 10 minutes pour upgrade. Dans un département, il y a plusieurs employés, et un employé il peut dans un seul département, et un employé qui travaille dans plusieurs projets. Et dans un projet capable d'avoir plusieurs employés. Mais c'est moi, s'il y a une many-to-many relationship, il n'y a pas une good design, nous allons mettre un link table au milieu. Ok? Allez, nous allons récontiner ça. Ça va être ça, il est intéressant. Maintenant, ça sera nous finir expliquer relationship diagram, nous finir expliquer. Et là, un autre exemple, quand il vous donne un scénario dans l'examen, il donne un scénario comme ça. Et il vous dit à toi, c'est pas. Entre staff capable de prendre plusieurs produits, un produit capable de prendre plusieurs staff, les là, ils vient faire récit, ils vient faire customer. Ça, on appelle ça un ERD diagram, Entity Relationship Diagram. Correct? Ça, on appelle ça un Entity Relationship Diagram. Maintenant, là, moi, tu peux intéresser les travailleurs, les autres, montrer les autres, que tu sois primary key et tu sois foreign key et t'es. Mais c'est bon, on va pas si moi pour gagner les temps. Mais toujours, moi, dis aux autres. Allez, si un élève capable d'écrire ça rapidement là-dedans pour guider ce diagramme-là. Allez, ici, il y a besoin d'un staff ID, ça n'a qu'à écrire vite vite. Staff ID primary key là. Ici, customer ID primary key. Ici, product ID primary key. Ça n'a qu'à écrire ça vite vite. Chacun des élèves tape un temps écrire staff ID PK. Product ID PK. Customer ID PK. Bien bon. Bien bon. Allez, suivre. Bien bon. Product ID PK. Et ici, customer ID PK. Customer ID PK là. Ici, Product ID PK. PK veut dire Primary Key. Un service écrit. Ouais, Customer ID dans bracket écrit PK. Écrit PK dans bracket. Product ID ici. Écrit Product ID PK. Staff ID PK. PK veut dire Primary Key. Mets dans bracket PK. Mets dans bracket PK. Mets dans bracket PK. Allez, correct. Allez. Très bien, couleur rouge. Bien bon. Ici aussi, l'appareil. Vite, 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 vite. Ici aussi, l'appareil. PK. Allez, maintenant, pour ça, il y a une many-to-many relationship qui va faire un link table au milieu. Maintenant, comment ça pour le link pour venir là? Ici, dans sa receive table là, design a staff ID FK. Mettez staff ID, écrit là en bas, côté maman, c'était. Ouais, bien bon. Écrit staff ID FK, vite, vite. Staff ID FK, avec une autre couleur sur lui. Allez.
Après, il a continué. Mettre product ID FK. Mettre customer ID FK. Là, il est bon là. Ça s'en fera écrire là. Ouais. Encore une lettre en bas. Continue. Oui, c'est bien bon. Continue. Ça s'en fera peut faire bien là. Allez, customer ID FK. Allez, vite, vite. Ouais, bien bon. Allez, écrire. Bien, un customer ID, un product ID. Ouais, bien bon. Un dernier ici. Très, très bien. Ça s'en fera bien faire là. Excellent. Il bien pour autant expliquer ça. Allez, continuez là. Ici, product ID. Product ID. FK. Allez. Maintenant, ça tout cela, FK là. Mais soit tu combines tout cela, tu fais un composite primary key, soit un autre affaire. Tu mets un nouveau fil. Allez, mets un nouveau. Mets le receipt number. Receipt number. Ouais, très bien. Très bien. Ça n'a pas fait ça, il va faire très très bien. Receipt number. Là, là en rouge, mets le PK. Receipt number en rouge PK. Allez, ça n'a pas de comprendre les diamants. Allez, pour assez en relationship, on a assez expliqué. Si Zoom coupé, nous pourrions rentrer là. Il y en a à peu près 25 élèves online. Ouais, PK, très très bien. Bon, ça n'a pas de comprendre sa relationship là. Qu'est-ce bien, tous les temps, tu prends primary key, tu sais de foreign key. Tu prends primary key, tu sais de la David foreign key. Depuis one too many. One too many. One too many. Voilà, ça a un design de ERD diagram, entity relationship diagram. Bon, tous les élèves comprennent un petit peu. Je vais abuser. Allez, si je dis à bouger, vous continuez. Ok? Allez, vous passez. Allez, bougez. Voilà, ça c'est un autre exemple ici. Regarde là, entre élèves avec cours, course. Un élève qui a fait plusieurs cours. Un cours qui a fait plusieurs élèves. Veut dire qu'il y a une many-to-many relationship. Veut dire qu'il n'y a pas un good design. Veut dire que tu effaces-le. Mais si tu effaces-le, au milieu, tu as besoin de mettre un link table. Ça même l'inexpliqué. Regarde là, élèves là, cours là. Et au milieu, il met sa link table là. Qu'est-ce que ça bien intéressant? Sa link table là au milieu. Qu'est-ce que là avant? Avant, c'est many to many. Là, qui est pour venir? One to many. Là, qui est pour venir? Many to one. Qu'est-ce ça bien? Observe ça bien si tu vas comprendre ce que je veux dire. Je veux dire, si ça mène un many to many relationship, il n'est pas un good design. Qui t'a besoin de faire solution? Il vient mettre un table au milieu. Qu'est-ce que sa table là au milieu? Et souvent, des fois, sa table au milieu là, ce nom, tu connais comment il gagne ce nom? Il prend sa student là, il met là, il prend sa course là, il met là, il prend sa dénom là, il combine là, il fait living sa table au milieu là. Je veux dire, sa many to many relationship là, living one to many et là, living many to one. Correct? Et course, il peut ajouter avec teacher, mais il y a qui va professeur qui fait sa cours là. Ici, il est many to one. C'est-à-dire un professeur qui a fait plusieurs cours, mais dans un cours, il a plusieurs professeurs. Allez, je continue. Pourquoi zoom pour couper, je vais réajouter tout là. Correct? Allez, ça, ça n'a pas de comprendre, vous allez lire directement. C'est-à-dire entre cours avec élèves, non, entre élèves avec cours, il y a un many to many relationship, c'est-à-dire pas un good design, c'est-à-dire Thierry, il met un link table au milieu. Élèves reliés, cours reliés, students reliés. C'est moi qui viens de many to one to many, il vient de many to one. Allez, si je dis moi, bougez, moi, bougez. Allez, bougez. Bon, ça c'est un autre exemple, papier d'examen. Quand il y a un member, il y a une classe, il peut faire booking. Bon, sûrement entre member avec classe, sûrement entre member avec classe, il y a une many to many relationship. Et pour régler ce problème, many to many relationship là, qu'il fait, il met un link table au milieu. Maintenant, rappelle bien. The member table pour le member ID primary key. The class table pour la class ID primary key. Et là, qui vous a fait pour faire ça link là? Vous avez un member ID là. Ici, vous avez un class ID là. Et member ID, class ID, il y a un composite primary key. Mais c'est moi, si tu passes à venir là, tu as ajouter un nouveau primary key là. Il va appeler ça booking number. Allez, si pas rien comprendre, dire, on perd trop vite. Bon, redire. Member ID, il y a un primary key là. Class ID, il y a un primary key là. C'est moi pour faire ça link là, tu as besoin de mettre member ID là. Et pour faire ça link là, tu as besoin de mettre one par le code mini, tu as besoin de mettre class ID là. Soit tu prends member ID et class ID, tu fais une composite primary key là, soit tu ajoutes un nouveau primary key, tu appelles le booking number. Allez, comprends ou pas comprends? Tu as abusé? Tu as besoin d'écrire. Allez, un feedback, feedback. Feedback. Tu as abusé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, non, allez. Maintenant, nous verrons dans un autre chapitre, appelé ça normalization. Correct? Allez, ça y est un peu tough, mais j'espère que tous les enfants comprennent. Bon, normalization, les enfants, il y a un process, ça, il y a un process. Process qui veut dire étape par étape. Ok? Il y a trois étapes pour vous comprendre. Ok? Pareil, comme je vous donne l'exemple, faire comme dire un petit monde qui fait un bib, il bizarre, allez, pas lui, mais un processus, il a pied dans la forêt. Bizet prend pied là, vini, débranche li, tiaman branche, bizet fait livin planche, après bizet rabote li, bizet poli li, le la fait ravin bib. Veut dire, un seul coup ou un pied qui dans la forêt, il pas vini bib dans la case. Veut dire, il y a étape par étape.
et chaque étape que vous avez faire, elle est là pour aller dans l'autre étape. Tu peux comprendre mon mot de temps. C'est une affaire de faire première étape, de tirer tout bas de France, deuxième étape, de faire les mines planches, troisième étape, de polir les. Les là derrière, les mines mettent dans la case. C'est-à-dire étape par étape. Mais normalisation, il y a un process, ça, les enfants. Il y en a, premier coup, les commencer par un normalise. C'est-à-dire, ils vous donnent une table, une seule table, nous pouvons appeler les dans quel état un normalise. Ils commencent à pied dans la forêt. Les un normalise. Des. Les là, après ça, qui nous vous faire? Nous vous faire living the first normal form. First normal form, fait comment dire, nous débranche, nous ne tient pas. Les là, nous vous faire living the second normal form. Comment dire, nous faire living une planche. Les là, nous faire living the third normal form. C'est même qui, comment dire, nous vous faire living, même dans la case. Je veux dire, les enfants, vous allez comprendre, normalisation, il y a un process. Vous allez faire first normal form. Il faut dire que first normal form complété pour caler la second normal form. Il faut dire second normal form complété pour caler la third normal form. Mais dire normalisation, il y a un process, il y a un set of rules qui comment tu es capable de faire un best design. Qui fait un best design de ton table, tu peux modèle ton table, tu peux faire un design ton table pour comment dire pain and duplication of data, pour avoid duplication of data, tu peux dire tout bon redundancy et tu peux faire un design d'une telle façon qui est capable de relier ton table, tu peux faire n'importe qui calte queries, ben complex queries tu peux faire, tu peux update ton table efficiently, pas pour un problème. Veut dire, vous tu peux faire database et une bonne étape pour te normaliser. Veut dire si tu veux design ton table, une bonne étape pour faire ça. Et chaque étape, il faut faire le design plus bon. C'est ce qui est correct. Bon, allez, maintenant, rappelle bien, les affaires, les de nous commencement, veut dire les de raw form, veut dire les unnormalize. Ok, c'est-à-dire, je réponds lui. What is normalization? Normalization is a process, it is a set of rules that we apply to a database, that we apply to a table in such a way, step by step. Could nous faire best design, nous organiser efficiently, could nous éliminer redundancy, et nous venir avec un best design, could nous capable faire un complex queries, et nous capable update nos tables. Ça c'est normalisation, un process. Bon, premier coup, les boutons d'autres, un single table. Il y a tout à faire d'un seul table, comment dire Briani. Et comment dire pied dans la forêt. Il y en a sur branche, il y en a sur feuille, il y en a tout. Ça, on appelle ça unnormalize. Unnormalize. Ah, nous, on va trop vite. Il est correct là. Allez, nous continuons. Allez, moi, espérer tous les élèves vont entrer là. Allez, nous pouvons continuer une minute là. Allez, right. Bon. Est-ce qu'il est plus rentré là? Mais tu peux cause unnormalize là, hein? Première étape. Je veux dire, comment dire, dans la forêt, il y a pied avec sa branche, avec sa feuille et tout là. Et il est là, nous vous montrer étape par étape. Il y en a trois étapes, comment nous pouvons normaliser. Bon, je pense. Ok. Allez, t'as l'air si le banzelé va arriver, nous vous mettons dans le zoom là. Allez, nous continuons. Ok. Allez, un normalize veut dire. Allez, imaginez un normalize veut dire ce raw data. On va dire tout dans une seule table. D'accord? Et il est tout dans une seule table, et il appelle un normalize, veut dire qu'il n'est pas dans une good form, veut dire qu'il y a redundancy, il y a duplication, ok, veut dire nous pouvons normaliser, qui fait nous pouvons normaliser pour remove redundancy, pour remove duplication, à cause ça nous pouvons normaliser, c'est moi, là nous pouvons normaliser, nous pouvons passer par trois étapes, first normal form, second normal form et third normal form, veut dire commencement,
li dans un seul table. Si elle a fait dans un seul table, nous appelons un normalize. Je vous guette bien. Un seul table, single table, appelle all normalize. Mais qui problème l'en a fait li un normalize enfant? Il a redundancy, il a duplication of data. Veut dire, il a fait répéter. Veut dire, il n'y a pas un good design. Et étape par étape, nous pouvons l'amener jusqu'à third normal form. Mais un seul coup, nous pas capable de third normal form. Nous devons passer par first normal form. Et là, nous devons passer par second normal form. Et là, nous devons passer par third normal form pour un affaire bien correct. D'accord. Allez, nous reprenons. Qui nous est là? Un normalize. Un normalize, il a tout à fait dans un seul table. Il a redundancy, il a duplication of data. Il a repetition. First normal form veut dire quoi? Remove repeating groups. Remove repeating groups. Nous allons regarder comment faire ça. Second normal form veut dire no non-key dependent. Non, second normal form veut dire remove partial dependencies. Second normal form veut dire remove partial dependencies. Je peux expliquer un chama. Third normal form veut dire no non-key dependency. No non-key dependency. Les live in the third normal form. Bon, les enfants, les premières fois, il y a un cas de répétant ni. Je reprends les, mais vous pouvez habituer à l'orientation. Allez, nous reprends les pour vous dire qui première fois répétant ni. Veut dire normalization, c'est quoi? Un process, un man rule ça, qui nous organise nous table d'une telle façon, nous pour dresser nos man table d'une telle façon, qui nous pour remove redundancy, nous pour remove duplication, et nous pour faire un good design, et là nous faire un good design, nous pour capable faire un complex queries, nous pour capable faire update tout bien. Veut dire nous pour faire ça un process ça. Veut dire premier coup nous devons faire un normalize, et nous besoin amener jusqu'à third normal form. Mais un seul coup, nous n'avons pas amené dans le second normal form. Nous devons passer dans le first normal form. First normal form veut dire que nous devons remove tout les repeating groups. Les repeating attributes, nous devons tirer. Nous devons casser table. Nous devons faire des tables. Et second normal form, nous devons continuer à casser table. Mais qui fait nous devons casser table? Nous devons remove partial dependencies. Third normal form, nous devons continuer à casser table. Mais ici, nous devons remove non-key dependency. Bon, et dans les monsieur, première fois, on peut faire ça, fait là, remove repeating attributes, no partial dependency, no non-key dependency, mais ou bout en ligne, ou pas habitué à l'audience charme. Allez, non, allez, je commence à guetter. Bon, là, pour expliquer tout ça, nous guettons première affaire. Une affaire, nous disons commencement, dans la forêt, il y a pied, il y a ce branche, il y a tout. Veut dire tout ça fait dans un seul lieu. Quel sac là, les enfants, je trouvais là, il y a student, sa table là, ce nom ça. Allez, doucement, mute. Allez, student, c'est table là ce nom. Ouvrez la bracket. En dans l'île, il y a tout bon fil. Ok? En dans l'île, il y a tout bon fil. Je veux dire, tout ça fait dans un seul table, enfants. Si tout bon fil dans un seul table, table là ce nom, comment appeler student? Ouvrez la bracket, en dans l'île, il y a tout fil. Il y a tout ça fait dans un seul table. Ça n'appelle un normalize. Parce que qui fait un normalize, pour une bande fil là-dedans peut répéter. Par exemple, je donne l'exemple. Ça, c'est un exemple d'un normalize. Bon, il y a sa table. Sa table, comment appelle appelle, nous avons sa table, ce nom. Il appelle student. Sa table appelle student. Et student, qui bande fil, tu es là. Qui est ce bande fil? Student ID, first name, second name. Voilà, student ID, first name, second name. Ça, c'est ce bande fil. Maintenant, tu trouves, il y a un élève. Et là, ça, élève là. So ID, S1276, il appelle nous, et qui peut arriver là-dedans? Il y en a, l'habitude. Ça, élève là, et là, nous avons un l'habitude. Enrollment number, ça, élève là sur enrollment number, élève là, comment appelle? Bonne peut faire un sales school, il peut faire A-level computing. Mais qui est un autre élève? Il peut faire trois cours. Un autre élève peut faire un cours. Il peut dire, un élève il peut faire un cours, un élève il peut faire deux cours, un élève il peut faire trois cours, un élève il peut faire deux cours, un élève il peut faire cinq cours. Il veut dire, qui ça fait peut répéter? Course peut répéter. Il veut dire, normalement, il utilise un seul row, il utilise un seul item. Dans ce row-là, il y a trois items. Mais ça, je veux noter bien, enfants. Si dans un table, normalement, dans un row, tu besoin d'un seul item. Get the second row, nous avons trois items. Veut dire, ça item là peut répéter là. C'est même appelé ça repeating groups. Et si dans un table, nous avons repeating groups. Si dans un table, nous avons repeating groups. Veut dire, ça table là, leader qui forme. Veut dire, li unnormalize. Et qui veut dire unnormalize, li comment dire, pied dans la forêt, il a ce branche, il a ce feuille, il a tout. Veut dire, nous besoin casser, nous besoin séparer, nous besoin débrancher là.
veut dire nous répondit. Veut dire, rappelle bien, nous reprend ce chapitre-là pour les qui pensent suivre. Chapitre-là, c'est database, oui, il appelle normalization. Qui veut dire normalization, c'est un process pour nous faire best design. Nous pouvons design nos tables, nous pouvons model nos tables, nous pouvons faire logical modeling, nous pouvons design nos tables, nos relationship. Et qui fait nous designer d'une façon bonne, bien, nous remove man redundancy, nous éliminer man duplication. Et c'est ce qui nous fait un bon design, que nous pouvons faire man complex queries, nous pouvons faire man update. Veut dire commencement, il unnormalize. Et la fin, nous devons arriver depuis third normal form. Et depuis un normalize pour une third normal form, il y a une étape. C'est-à-dire, il donne un normalize, et là nous faisons une first normal, et là nous faisons une second normal, et là nous faisons une third normal. Un seul coup, depuis un normalize, tu n'as pas qu'à une third normal. Tu as besoin d'un normalize, passe first normal, et là passe second normal, et là fait third normal. Mais first normal, pour une affaire, vient de first normal form. Pour une affaire, il vient de first normal form. Pour une table, vient de first normal form. Tu vas remove repeating attributes. Veut dire, pour une affaire, vient de first normal form, il vient de remove repeating attributes. Veut dire, si un normalize, mais il a repeating attributes. Si un normalize, veut dire problème, il a repeating attributes. Le tiers à repeating attributes là, il vient de first normal. Et depuis first normal, comment tu fais le vient de second normal? C'est to remove partial dependency. Et depuis third normal, comment tu fais devine? Depuis second normal, comment tu fais devine third normal? Tu remove non-key dependency. Tout cela, nous vous faire étape par étape. Allez, nous recontinuer. Nous dire un table est unnormalized. Quand il est unnormalized, c'est la two band field d'un seul table. Et la two band field d'un seul table, comment là nous pouvons trouver? Two band field d'un seul table. Et two band field d'un seul table. Un seul table, il y a tout là-dedans. Qui le trouve? Dans un row, tu as besoin d'un seul item. Mais dans un row, il y a trois items. Mais dans un row, là, il y a trois items. Il veut dire qu'il peut répéter. Il veut dire un zélé peut faire un coup, un zélé peut faire trois coups, un zélé peut faire un coup, un autre peut faire un coup, il y en a qui fait des coups, trois coups. Il veut dire cause peut répéter. Il veut dire qu'il y a un repeating attribute. Et s'il y a un repeating attribute, il veut dire que sa table de qui forme il était, il unnormalize. Dans un normalize, il y a un repeating attribute. Maintenant, comment tu fais une first normal? Ça, la question. Pour te faire une first normal, tu as besoin de casser sa table, faire une des tables. Et tout ça fait qu'il va répéter, tu vas vous dire dans l'autre table. Maintenant, je vous montrer ça. Veut dire, pour une affaire vient de first normal form, tu as besoin de remove sa repeating attribute là. Veut dire attribute, veut dire field. Sa field qui peut répéter là, ou besoin de tirer lui depuis dans sa table là. Ou besoin d'avoir lui dans l'autre table. Voilà. Get nous casser, nous faire limite des tables. Avant, combien de tables tu as? Un seul table. Comment tu appelles sa table là? J'appelle e-student. Tout à fait, tout le monde file là-dedans. Maintenant, nous pouvons casser, nous pouvons faire des tables. Allez là, des tables. Pour faire des first normal form. Qui fait nous casser, nous faisons des tables. Les affaires qui tu peux répéter là, subject là, nous n'avons pas dans le table. Allez, nous avons des tables maintenant. Nous avons student avec nous avons student avec nous avons student subject. Vous trouvez, nous avons des tables. Nous avons student avec student subject. Qui fait nous créer ce student subject là? Parce que tu as sa file qui appelle. Tu as sa file qui t'appelle cause, tu peux répéter. Voilà. Ici, nous avons student et nous avons student subject. Bon, dans student, nous avons student ID comme primary key et tout ce man file. Et nous créons l'autre table avec ça student subject. Et là, student ID. Mais student ID, il est primary key ici et student ID, il est foreign key là-bas. Correct? Et nous remove ce subject là depuis là-dedans parce qu'il tient repeating attribute. Mais dire là, nous cassons ça un table là, nous faisons des tables. Vous avez trouvé là, il y a des tables. Un table, des tables. Avant, il y a un seul table. Correct? Et il y a un repeating attribute là-dedans. Tout ça fait, il y a un seul row là. Il y a trois rows là-dedans. C'est un row, il y a trois items. Vous avez un repeating attribute. Vous avez un nom là. Vous avez cassé cette table là, vous faites des tables. Ah, là, mon casse-lui, on fait une détable. Car là, vous mettez des tables. Et un tableau appelle student. Et le tableau appelle. Un tableau appelle student. Le tableau appelle student subject. Parce que ce subject-là peut répéter mon casse-lui, mon avoué. Mais pour relier lui, j'ai besoin d'un command field. Voilà, student ID, le command field, il relie, il vient un relationship. Là, les mon fini remove repeating attribute. Qui l'infini, l'infini vient de first normal form. D'accord? Maintenant, l'élite de first normal form, m'obligez à guider ce qu'il y a second normal form.
Mais quelle définition de second normal form? Second normal form veut dire besoin remove partial dependency. Pas besoin de partial dependency. Bon, qui veut dire partial dependency? Une question bien intéressante. Qui veut dire partial dependency? Veut dire si il y a deux primary key, ok? Si il y a deux primary key, appelle ça composite primary key, mais tout le fil qui n'est pas primary key, il bisa dépendre de tous les deux, il n'est pas bisa dépendre de n. Par exemple, un exemple, la case que tout, ou pas content ou papa plus qui ou maman, ou pas content ou maman plus qui ou papa, vous êtes content tous les deux, pareil. Mais si vous pouvez faire partialité, vous êtes content n plus qui l'autre, veut dire là, il y a un problème de partialité. Veut dire partial dependency, veut dire tout le fil qui n'est pas primary key, c'est un composite primary key, et ça, car là, il est seulement là, il y a un composite primary key, qui bisa dépendre de tous les deux, pas le n. Et si n a pas dépendre le n, bisa casse-li à venir dans l'autre table. Veut dire, pour un table vint dans second normal form, bisa p n'a partial dependency. Et partial dependency appliqué seulement là, il y a un composite primary key. Bon, nous get un coup. Là, dans ce cas-là, là, nous trouvons une casse-li, nous faisons trois tables. Parce qu'il y a un problème de partialité, de partial dependency. Veut dire, si nous avons cette table-là là-dedans, correct? Ok. Et là, si nous avons cette table-là là-dedans, tu besoin d'un. Bon, pour comprendre ça bien, tu besoin d'un subject ID là-dedans. Tu besoin d'un subject ID. Là, là tu peux avoir un composite primary key là-dedans. Ok, bon, les panes expliquent ça, pas grave. Là, il casse sa table-là, il fait limite trois tables. Alright? Et au milieu, nous avons le link table. Sa table-là, nous link table. Ça, ça student ça, ça subject ça. Et student, un zélé qui a fait plusieurs sujets. C'est-à-dire, au milieu, nous avons le link table. Get ça, primary key, the table student, nous avons student ID primary key. Et the subject table, nous avons subject name. Si vous avez un subject ID là. Bon, il fait erreur là. Si vous avez un subject ID là. Subject ID, tu faisais primary key. Les là, on prend student ID, on met là. Les là, on prend subject ID, on met là. Bon, pas grave, il met subject name. Il met subject name, pas grave. Subject name, il fait un link là. Student ID, il fait un link là. Veut dire, entre student avec subject student, il y a student ID comme link. Comme bien bon. Ouais, il y a un subject ID et il y a un là, subject ID. Bon, subject ID, ici, tu prends primary key, là-bas, tu foreign key. Bon, là, il y a un problème de partialité. Il y a un problème de partialité. Ici, rappelez bien, tu prends une composite primary key là. Ok, tu prends une composite primary key. Et si jamais tu as encore le band fil là, tu peux dépendre de tous les deux, pas le N. À cause de ça, il crée sa table là. Ok, voilà, il casse sa table là. Bon, pour réexpliquer avec le papier d'examen, si vous comprenez plus bien. Ok, voilà, il casse les trois tables. Regarde, commencement, combien de tables tu as? Allez, nous reprendre. Commencement, un normalize, c'est un seul table. Regardez, un normalize, un seul table. Pour faire livrer une first normal form, il casse les fermes des tables. Student avec student subject. Voilà, des tables. Et pour faire livrer une second normal form, il casse ça des tables là, il fait livrer trois tables. Et c'est même ça le link table là. Un table, deux tables et troisième table. Voilà. Il met ça le link table là au midi. Et maintenant, pour faire livrer une third normal form, il bizarre faire non key dependency. Pas bizarre une non key dependency. Qui veut dire non key dependency, ça? Bon, là, tu vous guetter dans cette table là. Ici, get dans sa table là. Ok. Get teacher. Ok. Sa table là. C'est la capitaine là. Ça fait que moi, c'est un bateau. Capitaine, c'est student ID. Correct. Tout ça fait dépend de student ID. Get name, first name dépend de student ID. Veut dire que tout veut suivre sa capitaine là. Il y a un primary key là. C'est un bateau. Et tout le monde file supposé suivre sa capitaine là. Student ID, primary key. C'est tout ce qu'il doit suivre. First name, tu vas suivre student ID. Second name, tu vas suivre student ID. Bon là. Date of birth, suivre student ID. Class ID, bon student ID. Location, student ID. Teacher name, student ID. Mais, date of birth of the teacher. Il ne peut pas dépendre de student ID. Date of birth of teacher. Il peut dépendre de student là. Sorry. Date of teacher, date of birth. Il dépend de teacher name. Il ne peut pas dépendre de student ID. Veut dire ça. Il peut dépendre de teacher name. Il n'y a pas de dépendre de ça, capitaine bateau là, student ID. Veut dire, ça bateau là, tu as besoin d'un seul capitaine, student ID. Mais là, qui peut arriver, il y a un deuxième capitaine là, comment dire, student teacher name. Parce que date of birth of the teacher depend on the teacher name. Il n'y a pas de dépendre de student ID. Veut dire, ça, besoin d'avoir un autre petit bateau. Besoin de casser sa table là. Qui fait besoin de casser sa table là? Parce qu'il y a non-key dependency. Bon,
non qui dependency qui veut dire ça teacher Nina li est non qui non qui veut dire li pas primary qui li et les autres du monde peut suivre li mais li pas bon les autres du monde qui peut suivre ça primary key student ID là veut dire non key dependency là non key veut dire non primary key dependency veut dire l'autre man fil peut suivre un qui pas capitaine et à cause de ça bizarre tirer tout ça là bizarre avoir dit l'autre terme voilà third normal form bizarre toi bizarre non key dependency voilà something to be in third normal form bizarre ina non key dependency veut dire l'élève nous casser nous faire l'autre terme pour teacher quand nous met teacher sur ID et sur license number comme primary key. Voilà, nous arrivons sur le normal form. Nous finissons sur le normal form, nous finissons cassé, nous finissons arrive nous 4 tables. Ok, maintenant, si vous avez un tas de voix, vous ne pouvez pas faire des voix là, vous pouvez rendre un papier d'examen direct pour que vous compreniez plus bien parce que la théorie nous finit là. Correct? Papier d'examen. Normalization, il y a un joli classwork, vous pouvez faire ça pour moi, vous pouvez me montrer, vous pouvez envoyer moi. Ok, après mon corrigé ça, je vais vous faire ça, une jolie classwork, je vais gagner l'état de travail. Et là-dedans, il y a cause employee, et ce IRD diagramme, tu as besoin de faire, et tu as besoin de normaliser sur la table, et il y a employee sur le détail là. Moi, je suis content de faire l'idée d'access, faire l'idée marcher. Si vous envoyez moi, je vais vous faire l'idée, je vais vous envoyer sur la réponse. Comment faire ça marcher? Il y a employee sur tout le détail, premier coup, il y a un normalise, et après, il y a un casse-li, normalise. Allez, question d'examen maintenant. Ok, bon, c'est cause aux autres, il y a 23 élèves online, on vous cause aux autres parce que là, question à l'examen. Là, vous avez mémorisé. Comment la question là posée dans l'examen? Nous faisons blablabla, nous expliquons théorie, mais la question à l'examen est intéressant. Qui vous supposez connaître et qui considère vous écrire? Allez, je vais dire la question à l'examen, il pose une question. Define the three stages of database normalization. Il y a trois étapes. Mais c'est moi, je tout connais qui, avant d'arriver dans la first normal form, il dit unnormalize. Correct, tout dans un seul table. Mais pour un affaire, il y a first normal form, enfants. Qui vise à faire? Allez, je me demande fanfan, s'il y a encore rappel. Pour un affaire, il y a first normal form. Il y a un table, il y a first normal form. Qui vous vise à faire pour lui vise first normal form? Ou bien, petit bahal, pour un affaire, il y a first normal form. Bon, avant, il y a first. Très bien, tu peux suivre. Mais c'est moi, je vais poser une question. Avant un table, il y a first normal form. De qui form l'étude? Un normalize. Maintenant, une question que je pose encore. Comment vous connaissez un table un normalize? Qui sont les symptômes de trouver? On trouve un élément qui est répété, par exemple, on a trouvé répété. Très bien modifié. Veut dire pour un repeating groups. Qui veut dire repeating groups? Repeating attributes. Et qu'est-ce que ça? Vous observez bien, tu as l'air d'un papier d'examen, tu vous remarquez. L'air de vous un table et pour un seul table de unnormalize. De unnormalize, normalement, tout pour un seul table. Regarde là, comment là. Tout à fait un seul table. Mais dans un row, tu veux dans chaque row, il y a un seul élément. Mais qu'est-ce que dans ce row là? Il y a trois éléments. Tu veux trouver? Veut dire peut répéter ça. Ça veut dire les unnormalize. Veut dire avant les divines de first normal form, les unnormalize. Et qui veut dire first normal form? Veut dire pour un affaire, pour un table, vient de first normal form, tu veux dire remove all repeating groups. Tu as besoin de remove repeating groups. C'est-à-dire, repeating attributes must be removed. Là, il vient de first normal form. Et comment tu fais ça? Tu casses sa table en deux tables. Tout ça fait qu'il peut répéter, tu as voulu dans l'autre table. Je vais expliquer, mon fille. Allez, nous avons une réponse de n'importe Cambridge maintenant. Ok? Parce que là, papier d'examen, vous faites plus éclaircir tout l'esprit. Là. Allez, first normal form, il dit, pas besoin de repeating groups of attributes. Ok? Ça, c'est la réponse. Okay, si vous avez noté, vous notez, soit après vous avez une vidéo là. Mais la first normal form, vous avez pena repeating groups of attributes. Mais si vous avez un tiali, et comment vous avez un tiali, ou casse-li, vous faites dans l'autre table. Vous pouvez expliquer? Mais all attributes should be atomic. Atomic veut dire single. Ok? Atomic veut dire single. Pas besoin de duplication row, pena duplicated row. Je vais espérer que je l'explique bien. Veut dire, elles ont fait un normalize dans un seul table. Mais c'est moi dans un tableau qui peut répéter gros. Et pour te faire livrer dans la first normal form, tu casses ça un tableau, tu fais livrer deux tables. Et tout à fait qui peut répéter, tu vas livrer dans l'autre table. Et il faut de quoi? Pas pena repeating attributes. Veut dire, l'ibisa should be atomic. Atomic veut dire unique. L'ibisa un seul row. Ok? Pas besoin de duplication. Allez, maintenant, l'autre question vous posez. Allez, il n'y a pas de sana volontaire qui va répondre. Hein? Un table living the second normal form. Quand living the second normal form? Qui critère les besoins satisfaire pour les besoins de second normal form?
d'après cette définition. Sénaka répond. A table is in second normal form. Quand tu connais un terme in fin de second normal form? Quand P n'a partial dependency. Ok? Quand P n'a no partial dependency. Là, moi, tu peux rectifier une affaire là. Partial dependency arrive quand il y a composite primary key. Mais si P n'aime composite primary key, enfant. Si P n'aime composite primary key. Mais problème de partialité pas arrivé. Si un enfant a un seul parent. Mais P n'a problème pour être délégé là-dedans. Tu comprends? Mais normalement, si il y a deux parents. Là, le problème de partialité arrivé. Partialité veut dire si un fil qui n'est pas primary key, il peut dépendre. Le un seul primaire qui ne peut pas dépendre de tous les deux. Mais il n'est pas bon. Mais il y a un problème de partialité là-dedans. Il peut être délégé là. Et dans ce cas-là, comment vous réglez ce problème-là? Vous faites vivre dans la seconde normal form. C'est vous casse la table là, vous faites vivre des tables encore. Vous casse les. Vous split the table. Là, vous split the table, veut dire vous pouvez tirer partial dependency. Ok? Et tout ce qui est des enfants qui peuvent faire, comment être délégé, vous avez dans l'autre table. Séparé. Correct? Vedia, a table is in second normal form when there is no partial dependency. You have removed partial dependency. How you remove the partial dependency? By splitting the table. Tout ce qui peut être délégé, aboli dans le table. Allez, troisième. Allez, troisième. Troisième, le bouquet, définition des third normal form. Third normal form, enfant, veut dire no non-dependency. Allez, no non-dependency. Bon, qui veut dire non-dependency? Vous réexplique ça. Dans un bateau d'enfants, bizarre, il y a un seul capitaine. Et tout du monde, tu veux suivre ce capitaine-là. Veut dire, dans un table, tu veux un seul, tu veux un primary key. Et tous les autres fils qui pas primary key, tu veux dépendre juste de sa primary key-là. Mais, si arrivé dans un bateau, il y a un groupe du monde, pas peut suivre capitaine, peut suivre l'autre du monde qui pas capitaine. Mais ça, l'autre du monde qui n'est pas capitaine là, ça même nous appelle ça non-key, non-primary key. Ça même nous appelle ça non-key dependency. Et là, dans ce cas-là, pour éviter l'emmerdement, qui bizarre faire? Bizarre, depuis le bateau là, c'est un petit bateau, d'un gros bateau, de tiens un petit bateau. Doucement, mettre mute. Allez, maintenant, si un groupe du monde ne peut pas suivre sa capitaine là, doucement, mute. Mute, j'aime en faire mieux. Qui côté ça mute lui? Mute, tu veux jouer. Allez, mute all. Allez, mute all. Ça va faire la croisée ça. Comment mute ça? Mute all. Ok. Oui, allô. Monsieur, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Si vous êtes même, il va faire non-nier. Allez, nous continuons. Allez, je vous habitue à parce qu'il a fait papier l'examen. Je vous dire, non-key dependency veut dire. Monsieur, on peut mieux. Moi, je mute moi-même là. Sorry, je mute moi-même, je ne sais pas. Allez, correct là? Il est correct là? Allez, maintenant. Vous reprenez l'île. Non-key dependency. Non-key veut dire s'il n'est pas un primary key et les autres qui n'ont pas un primary key peuvent suivre lui. Veut dire il y a un problème là. Il y a besoin de castable là. Avoir tout ce qui n'est pas dépendre de capitaine là. Avoir dans l'autre bateau. Avec sa dimon qui non-key là. Avoir là-bas. Ok? Bon, vous regardez ça d'abord une question pratique. Je vous comprends plus bien. D'abord une question là, examen. Je vous comprends plus bien. Allez, ce qu'ils ont besoin de retenir dans votre esprit là. Il y a trois étapes de normalisation. First normal, second normal, third normal. Ça vous avez connu. Pénation. First normal veut dire remove repeating attributes. Second normal veut dire no partial dependency. Third normal veut dire no non-key dependency. Correct? Nous vous réunissons souvent deux fois avec ça. Maintenant, nous continuons à bout de devant, sinon nous allons finir nos classes. Et les autres, nous faisons pas faire l'examen, là, vous comprenez plus bien. Ok? Ça vous avez retenu, là, hein? Vous pouvez dire pénation, obligé à devant là. First normal, second normal, third normal. Et qui veut dire un normalize, tous les élèves déjà connus. C'est-à-dire un normal tout dans une seule table et je vais trouver dans repeating groups. Ça, désolé, déjà connu. Bon, ça, nous finissons expliquer, nous finissons faire tout ça là. Pourquoi nous avons le papier d'examen directement? Ça, nous finissons expliquer. Papier d'examen, vous pensez, il est en bas là. Ok, demain une minute, vous avez ouvert le papier d'examen. Ça, nous finissons expliquer.
Ouais, là encore nous commençons pas faire l'examen. Ok. Bon. Une minute. Ouais, allez, nous commençons. Vous pensez, j'ai 2015, papier N, question NIF. Right, allez, nous commençons à faire l'examen. C'est tout là. Si on a ce bouclet, tu peux suivre ou bien avec moi-même les suivre. Correct? Allez, j'ai 2015, papier N, question NIF. C'est tout là. Allez, voyez ouais, là. Si un zélé, tu peux causer au moins qui gagne. Voilà, voilà. Allez, oui, N, ouais, au moins des élèves causer au moins pour me gagner une idée. Allez, j'ai 2015, papier N, question NIF. Allez. Database. A database has been designed to store data about salesperson. Vous allez garder data pour vos salesperson et product. Vous avez une compagnie qui peut vendre un produit. Vous allez garder data pour produit là avec ce salesperson. Bon, the following facts. Les notes sont en facts là. Correct? Bon. Bon, on va pouvoir lire toute la ligne. Salesperson work on a particular day, unique, shop, products. Tout ça va en détail là. Bon, on va dire qui te remarque. Ça qui est ça? Un table ça? Allez, table là, ce nom, comment appeler? Shop sales. Très bien. Et combien de fils il y a là-dedans, si tu remarques? 5. Allez, qui va en fils, si tu es là? First name, shop, allez, project right, correct, name, correct. Number, first manufacturer. T'es fini, comprends lui. Bien bon. Maintenant, N, première question là, moi, pensez de vous répondre. State why the table is not in first normal form. Allez, moi, pose une autre question avant ça. Sa table là, dans qui forme il était? S'il n'est pas dans first normal form, dans qui forme il était? Normalized. Ah, très bien. Et il a me posé la question. Why the table is not in the first normal form? Because it is in unnormalized. Why is it in not in first normal form? Qui fait? Qui fait que jamais il n'est pas dans first normal form? Il est unnormalized. Qui raison? Parce que c'est l'intérêt de primary key. Non, ça n'a pas sa raison. Qui fait l'IPAD de first normal form? Ah, parce qu'il y a un repeating element. Ouais. Il y a un repeating groups of attributes. Là. Comment tu remarques ça? Quel est sac rouge? Il y a un seul élément. Quel est ce rouge là? Il y a un TV set, il y a un refrigeration, il y a une caméra. Dans ce rouge là, il y a un hair dryer, il y a un electric shaver, etc. Il y a ça peut répéter, product name peut répéter. Il y a sa table là. L'IPAD de first normal form. Il y a un repeating group of attributes. Repeating group of attributes. À cause ça, il n'y a pas de first normal form. Mais dans qui forme il était? Il est unnormalized. Correct? Maintenant, tu peux bon, si tu n'as pas de réponse, tu peux bon. Attends, je vais ouvrir le papier d'examen là. Je ne peux pas recopier ma réponse là. Non, je ne peux pas recopier. Mais si tu peux ouvrir le papier d'examen, tu peux bon pour que je peux montrer ma réponse là. Allez, rapidement. L'année là, je me rappelle, juin 2015, question 9. Attends. À 2015 qui sont NIF. Un exode aide-moi, écoute-moi, arrive là-bas. Là. Juin 2015 qui sont NIF. Un minute. Exam papers, oui. Juin 2015 qui sont NIF. Marking scheme, vous voulez dire. D'après moi, NN. Ouais, NN, d'après moi, il y a. Allez, dans le vite, qui sont NIF, dans là en bas. Allez là. Et ça se réponse, correct? Malheureusement, là-bas, mon panier est en métli, mais là, je te dis. Je dis, shop sales table has repeating group of attributes. Repeating groups of attributes. Je dis, il y a un fil qui peut répéter. C'est-à-dire, each salesperson has a number of products, tu vois? Et, il y a une question là. And salesperson, il y a un number of products. Voilà mon colis là. Voilà. Un salesperson, Nick, il y en a 3 produits. Sian, il y en a 2 produits. John, il y en a 4 produits. Voilà comment il écrit la réponse là. Veut dire, each salesperson has a number of products. Ce n'est pas exact. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Et first name of the shop need to be repeated. Il peut répéter. Il y a repeating attributes. Correct? Allez, nous prenons l'autre question maintenant. J'espère que tous les enfants vont comprendre. Nous prenons l'autre question maintenant. L'autre partie. Ça nous finit répondre pour un point, tous les élèves finissent comprendre qui peut être clair. Deuxième, ah, là qui est arrivé là, diamant là qui forme, il était là, ouais, là. L'idée normalise. L'idée normalise. Qui étape de normalisation? First. First normal form. Veut dire avant tout, il y a un seul étape,
Et vous voyez tout de suite dans une seule table qui appelle sales shop sales. Donc, il y a deux tables qui est là. Sales person avec sales product. Il fait une deux tables. Ça doit faire que tu peux répéter là, l'inchelle n'a pas dans une autre table. Mais il y a une deux tables qui est là. Une table et deuxième table. Vous voyez comment? Et là, il y a une first normal form. Qui l'in fait? Il fait une first normal form. Et qui l'in fait pour faire une first normal form? Il remove repeating attributes à group of attributes. Et il y a deux tables là. Maintenant, dans l'examen, il y a rempli ça avec une deux tables qui est là. Et ça va un détail qui vient de toi là, ça va un sales person là, trois sales person là, ce détail que vous mettez. Et qui est là, ça sales person là, ce nom, il y a trois sales person, tu vas mettre ce nom là. Ok? Et chaque sales person dans qui shop lui peut travailler, c'est ça détail là. Ça sales person là, peut travailler dans tel shop, ça sales person là, dans tel shop. Tu as besoin d'être rempli dans sa table là. Et là, tu as besoin de remplir sales product. Sa table là, tu as besoin de remplir. Bon, on va croire que vous avez des difficultés pour remplir ça, pour trois points. Ok, parce qu'il déjà directement des états là et là tu remplis. Voilà, tu as trois sales personnes dans qui shop de travail. Et là, tout le monde détaille de chaque sales person qui l'in vendre. Ça, sales person va vendre ça, ça va vendre ça, il vend ça, il vend ça, tout le monde détaille. Bon, ça, vous pensez que tu as rempli, tu vas avoir des difficultés. Tu vas essayer de réessayer les questions hein, et tu deviens vers moi. Correct? Maintenant, on continue l'autre question. On arrive là. A relationship between the two tables has been implemented. Explain how this relationship is done. Bon, là, moi explique toi. Entre ces deux tables-là, il y a une relationship là. Mais comment tu fais cette relationship là? Il faut donner un command field. Qui field command entre ces deux tables-là? C'est first name. Je veux dire, first name, the sales person, le primary key. Et first name, the sales product, le point foreign key. With the two tables can be linked together by a common field. First name is the common field. A first name, the primary key, the sales person. A first name, the foreign key, the sales product. Les lignes à relationship là. Voilà question là, dis-je toi. Explain how this relationship is done. Et là, mon explique toi comment on fait relationship là. Mon dis-je toi, qui deux tables, voilà. Ça se réponse. Voilà. Deux tables là capables de relier. Mais comment des tables à régler? First name, primary key, the sales person. Le link avec first name, qui est the sales product table. Et first name, the sales product table, il y a une foreign key. Bon là. Vous pensez que tous les enfants comprennent. Ok? Si, je ne comprends pas. Hein? Maintenant, nous continuons l'autre question. Et quand régler-t-il la case, si j'ai une question de demande. Explain why the sales product table is not insert normal form. Sa table là, sales product table, qui fait li pas dans insert normal form. Bon, qui fait li pas dans insert normal form, mais qui est-ce besoin d'en là-dedans pour living insert normal? Qui définition insert normal? C'est ça qu'il veut demander toi. Qui fait li pas dans insert normal, mais pour living dans insert normal form, qui est-ce besoin d'être? Si besoin d'en no non-key dependency. Ouais. Pas, ouais, cette table là n'est pas dans sa normal form parce qu'il y a non-key dependency là-dedans. À cause il y a non-key dependency, il n'est pas dans sa normal form. Et pour te faire living dans sa normal form, tu as besoin de remove, besoin de payer une non-key dependency. C'est un bateau, besoin d'un seul capitaine. Tout le monde suit sa capitaine là. Mais à cause il y a non-key, non-key veut dire non-primary key. Qui les autres peuvent dépendre là, veut dire qu'il y a non-key dependency à cause ça n'est pas dans sa normal form. Mais qui fait n'est pas dans sa normal form parce qu'il y a non-key dependency. Voilà, réponse. There is non-key dependency. À cause ça n'est pas dans sa normal form. There is what? Non-key dependency. Veut dire non-primary key dependency. Et il peut donner l'exemple. Il peut dire l'exemple. Il peut donner l'exemple parce qu'il y a deux points sur l'envoi. Si il y a un point, pas de nécessaire d'un exemple. Mais à cause des deux points, tu as besoin d'expliquer. Pas de dire qu'il y a non-key dependency ou pour gagner des points ou gagner un seul point. Ou bien donner l'exemple qui veut dire non-key dependency. Et là, il peut dire toi, manufacturer is dependent on product name et which is not the primary key of the sales product. Bon, qui dit quoi, toi, dans le table là, m'explique-toi. Il dit manufacturer, il peut dépendre le product name. Et qui product name, tu sais, il n'est pas primary key. Product name, tu sais, il n'est pas primary key. Ça déla ensemble composite primary key. Veut dire, product manufacturer, tu faisais dépendre de tous les liens. Les manufacturer, tu dépendre de un seul. Mais en fait, si tu regardes bien,
en fait, il n'y a pas juste non qui dépendance. Moi, je trouve qu'il n'y a pas seule dépendance là. Mais c'est moi, si il n'y a pas seule dépendance, là aussi, il n'y a pas de seule normal forme. Parce que pour lui, il n'y a pas seule normal forme. Il n'y a pas seule normal forme. Mais seule normal forme, même je trouve qu'il n'y a pas de passé moi. À cause ça, il n'y a pas de seule normal forme. D'accord? Je veux dire, manufacturer peut dépendre du product name. Mais manufacturer, tu peux dépendre du composite primary qu'il a en entier. Ouais. Et il donne l'exemple là-bas. Voilà, nous finis. Explain why the sales product table is not in certain normal form. Parce que pour lui vendre dans certain normal form, tu besoin d'une non-key dependency. Et là, manufacturer lui dépend le product name. Et product name is not the primary key of sales table. Ok? Maintenant, les gens savent comment tu es capable. Comment write the table definition of the certain normal form? Comment tu peux faire lui vendre certain normal form? Bon, pour te faire les cellules normales pour mes enfants, il doit bien faire. Get là. Sa manufacturer là, il ne peut pas dépendre de tous les deux primaires, il peut dépendre de N cell. Mais il y a une non-key dependency. Il a cassé sa table là. Sa table là, il a cassé, il a fait encore une table. Il y a juste des tables là, sales person, il y a sales product. Il a ajouté un nouveau table au milieu là-dedans. Soit, il a fait une autre table appelée product. Une autre table appelée product. Tout ce qui papé dépend de tout là, vous allez avoir dans l'autre table là. Vous avez un link table au milieu là. Correct? Bon, nous guettons un coup de comment nous faire ça. Voilà. Un exemple. Bon, je vais trouver là. Ça, en bas là, pas guetter ça là. Ça, pas guetter. Guette ça là haut là. Bon, tu es un salesperson sur primary key. Salesperson. Il y a salesman. Tout le monde salesman sur le détail de sa table là. Et ça, les primary key là. Et tout bon produit ce bon détail lila non non mon frère là ça vous inquiétez ça les détails là voilà salesperson ce bon détail là ça c'est primary key product ce bon détail là ça primary key et qui le fait au milieu entre les deux là tu as servi n get all là hein? Il y a des réponses là veut dire entre les deux nous servi n nous mettons un link table au milieu enfin je trouve ça link table là au milieu entre les deux nous servi n. Allez, mettons mon service ça comme link table. Mettons. Ok, les enfants, mon service ça comme link table. Ok, mon service ça comme link table. Non, je ne sais pas si vous faire ça. Allez, disons mon service. Je ne vais pas faire highlight ça une autre couleur là. Quelqu'un qui a highlight ça une autre couleur, mon link table. Où ça, non, non, attendez. Ça, nous fait aller une autre couleur là. Beaucoup ça. Ça, nous fait aller une autre couleur. Ouais, bien bon, bien bon. Ça relié à ça, ça relié à ça. Mettez un bord là avec un bord là, ça n'a qu'à faire ça. Ouais, là, bien bon, bien bon. Allez, relié là. Aïe, zoom in fini. Ok, nous avons un autre layer de zoom. Ok. Allez, maintenant la plupart des élèves presque rentrés dans mon conseil. Ok. Allez, je vais suivre. On a vous discute pas papier l'examen, on a beaucoup papier l'examen pour discuter, bien intéressant. Il faut que tous les participer là. Ok. Maintenant.
Mais pour comprendre mon classe, il faudrait donc suivre mon ancien classe de la vidéo de YouTube. Hein. Si je ne pas suivre, je ne vais pas vous comprendre. Allez, nous continuons là. Vous pensez la plus posée des minutes rentrées. Ok, très bien. Qu'est-ce que ces enfants-là qui viennent faire là? Ils expliquent ça bien. Là. Bon, ça roule là, nous pouvons oublier là. Hein. Ça, là, nous pouvons oublier. Ça, c'est une autre option. Hein. Ouais, nous pouvons penser là. Bon, il y a 16 personnes sur table, il y a 16 personnes sur tout bas en détail, il y a un product sur tout bas en détail, et ça nous link table au milieu. Bon, là, on a fait ça, les primary key là, vous avez remarqué, les souligner. Et ça, les primary key là, les souligner. Si first name, les primary key là, là, il y a une foreign key. Ici, ça, primary key, ça, il y a une foreign key là, vous avez trouvé. Et nous avons un autre primary key ici, sales ID comme primary key. Déjà, ça, deux là, c'est foreign key là. Question pour moi? Si vous avez une question, nous vous continuez. Pas de question, monsieur. Allez, vous avez une question, ça, et nous pas trop tendu. Pena. Mais c'est moi de le comprendre, qui peut arriver. Il y a des enfants qui soulignent une couleur bleue. Ils bien fort, ils soulignent une couleur bleue. Il peut remontrer les autres qui, dans sa table là, sa couleur bleue là, sales ID là, les primary key. Et sa first name là, les foreign key, mais là-bas, les primary key. Ici, les foreign key, là-bas, les primary key. Maintenant, il y a une autre option. Si vous n'allez pas donner sa réponse là comme ça. Ça link table là qui est au milieu d'une autre option. C'est la carré marque ça. Qui l'in fait dans sa option l'autre là? Il y a sales product, ça link table là au milieu. Il prend sa déforeign key là, il combine zut, il fait une composite primary key. Ça aussi une réponse qui est acceptable. Est-ce qu'ils ont compris ça bout là? Ça aussi une bonne réponse ça. C'est moi, soit dans l'examen, soit de donner ça, soit de donner ça la ligne là, soit ça la ligne là en bas, entre les deux N. Ouais, un zélébé souligné là pour moi, il souligne sa décomposite primary key là. Na decomposite foreign key là, il combine zot, il fait un composite primary key. Il n'a pas nécessaire mettre un autre fil là. Mais il y a deux options. Entre ça et ça, tu les deux bonnes réponses. Si je ne comprends pas, je vais prendre l'autre question. Correct? Et là, nous finissons normalisé, nous finissons arrivé depuis ce normal form. Maintenant, je pense que ce papier là, nous finissons là, non? Ce papier là fini. Nous prenons l'autre papier. Correct? Et. Save nous. Allez, ça m'a terminé là, hein. Correct, ça m'a fini de discuter, ça m'a fini de discuter. On pensait tous les mêmes comprendre. Allez, spécimen paper. Allez, bâti. Allez, toujours mon bon élève là même là. C'est un database qu'on peut garder les élèves sur un détail. Correct, les élèves, les students. Allez, Waïda. Ça, oui. Qui nous peut trouver là? Ça qui était ça? Un T? Table. Allez, bâti. Table là, ce nom, comment appeler? Student subject. Allez, dans qui forme il était là? Unnormalized. Très bien. Comment tu connais les unnormalized? Et different attributes de subject. Ouais, mais tiens, en fait, tu as répondu, ce mot technique, c'est une repeating groups of attributes. Repeating groups of attributes. C'est un mot technique qui sert. Mais tiens, c'est un attribut qui appelle subject là, il peut répéter. Parce qu'un élève tombe, il peut faire 3 CC. Joe peut faire 2 CC. Samia peut faire 4 CC. Je veux dire, subject, il y a un repeating attribute. Subject, il y a un repeating attribute. Je veux dire, explain why the table is not in first normal form. Because there is repeating attributes là-dedans. Subject, il y a un repeating attribute. Je peux répondre? Oui. Mais c'est moi, en même temps, je prends marking scheme. Si je peux montrer ça, specimen paper, marking scheme. Qui numéro ça me suffit? Ouais, qui numéro? Ouais. Comment on répond? Numéro 1 même, ça m'envoie. Aïe là. Je veux dire, c'est ta première réponse. The table is student. Is to each student has a repeated group of attributes. Each student has a number of subjects. Subject, il est capable de 2, il est capable de 3, il est capable de 4. Ok, on finit de répondre sa première partie là. Trop vite? Oui. Non, allez. Ça, on finit de répondre là. Hein? Voilà. Je veux dire, tiens à sa table là. Non, non, non. Pas lire. Pas lire ça. On a raté là. Là. Ça, specimen paper. Voilà, subject. Ça, il a repeating attributes. Et explain why the table is not in first normal form. Mais fini dans cette réponse. Il n'est pas dans normal form because each student has a repeated group of attributes. Each student has a number of subjects. Correct? Allez, maintenant, l'autre question. Explain your answer by referring to the data. Allez. Maintenant, tu vas appliquer. Ce qui te cause, c'est théorie. Mais appliquer. Mais comment tu vas appliquer? Tu vas dire Tom. Faire physique, chimie avec quels affaires? General studies, faire géographie avec French. Ça, à cause ça, il peut répéter. Voilà, on peut appliquer dans ce contexte. Mais il va nous appliquer dans le contexte. Attends, une autre question là.
Explain why is it not the fun. Explain your answer by referring to the data. Bon, elle nous refer to the data. J'ai répondu des mots de la classe, s'il n'a qu'il souffre. Ouais. Attendez, on retourne là. Deuxième partie. Veut dire, ouais. Student name, tutor, group tutor would need to be repeated for each record. Il peut répéter. Il n'est pas si besoin de répéter. T'as compris? Voilà, deuxième partie. Maintenant, nous avons troisième partie question là. Veut dire, à cause. Manager, subject, ouais, peut répéter. Là, hein. Student name, tutor group avec tutor peut répéter. Je veux dire, pour ça, la ligne, ça peut répéter, 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 là, à cause. Student name, tutor group peut répéter. C'est-à-dire, ça roule avec ça roule, il paraît, il peut répéter. Ça roule avec ça roule, avec ça roule, peut répéter. Maintenant, troisième partie question, hein. Là, ça. Allez, ouais, là, dis-moi qui est arrivé ici. Il y a une seule table là-haut, à ce qui est arrivé. Il y a des tables. Qui fait des tables? Il y a une student avec une student subject choice. Correct? Il casse mes des tables. Là-haut, il y a une seule table. Là-haut, il y a une seule table. Mais à cause repeating attribute, je casse les pour faire une first normal form, je fais une des tables. Ça fait que je peux répéter là, je l'envoie dans l'autre table. Ça, une table, ça, c'est deuxième table. Bon, tu as besoin de répéter là. Tu as besoin de remplir ça, mon data là. Question là, il y a une table pour 3 points et il est rempli. Bon, combien d'élèves il y a? Tu es là-haut. Tu en as 3 élèves. Tu en as Tom, Joe avec Samia. Et avec ce tutor groupe 6, 7, 6. Bon, tu as bien rempli, Lila. Il y en a 3 élèves. Tom, Joe, Samia. Et ce tutor groupe avec ce tutor, tu as bien rempli. Lila. Et tout ça m'a donné là, tu as gagné la table là-haut. Et si tu as une réponse, dis comme ça. Voilà. 3 élèves qui te as, Tom, Joe, Samia. Tu remplis ce m'a donné. Et Tom qui s'y veut faire. Samia, Joe qui s'y veut faire. Samia qui s'y veut faire. Tu as rempli la table d'après les données qui me donnent là-haut. Bon, explain why, what is meant by primary key. Bon, c'est là facile. Primary key veut dire, un field, soit un attribute, soit une combinaison d'attributes. Un primary key, c'est une combinaison de un field, si. Qui ensure that the record in the table is unique. So, what is primary key? Tu me fais la petite classe. Pourquoi tu fais Form 3, tu me fais ça avec moi? Oui. Primary key, c'est moi, dans Form 3, tu vas te comprendre qu'il y a un groupe d'attributes. Tu pensais, primary key, il y a un seul field. Et tu comprends qu'il uniquely identify a record. Ça, tu comprends dans Form 3. Mais c'est moi, à ce que tu comprends qu'un primary key, il n'est pas nécessairement un seul field. Il est capable plusieurs fields combinés ensemble pour faire un composite primary key. Et c'est-à-dire, primary key, il est capable un attribute, soit une combination of attributes, plusieurs attributes ensemble, mais il y a un sou qui ça record là, il est unique, peine à répétition, il identifie le record uniquely. Définition là, c'est pareil, mais accepté qu'il n'est pas nécessairement un seul field, il y a un groupe de fields qui a servi pour faire living unique. Allez, l'autre question maintenant. A student is not allowed to choose the same subject for A-level and AS-level. Un élève n'a pas le droit de faire computer main avec sub en même temps. Soit il fait main, soit il fait sub. What is the primary key of the table student choice? Bon, pour student choice, je dois regretter bien ça. Qui primary key te vous servir? Bon, sous réponse, je dis. Voilà, nous avons un coup. Il n'est pas pour qu'il y ait un service 6 student name. Si tu as un service 6 student name, il faut répéter. Il veut dire que tu as un service student name combiné avec subject pour lui faire une composite primary key. Il veut dire que cette question-là, c'est une question un petit peu piège que tu as besoin de réfléchir qui n'est pas pour qu'il y ait un service 6 student name comme primary key. Parce que si tu as un service student name comme primary key dans cette table-là, il faut répéter. Il veut dire que tu as besoin de prendre un student name, combiné avec, subject. Pour lui faire une composite primary key. Student name plus subject, l'ELA est pour correct pour faire une composite primary key. Maintenant, nous continuons la question là, suivez-le bien. There is a relationship between student and student subject. Explain how the relationship is established. Cette question là, tu peux répéter souvent des fois. Il y a une relationship, tous les tables ont un common field. Et ce common field là, dans une table pour primary key et dans l'autre table pour foreign key. Get dans cette table là qui est projectoire. Il y a une relationship dans un tableau. Qui fait une relationship? Il y a un common field, student name ni common. Et student name, là-dedans, dans sa tableau, il y a primary key, et dans sa autre tableau, il y a foreign key. À cause de ça, il y a une relationship.
Et la réponse ici pour cette question-là, explain how the relationship is established using primary key and foreign key. Veut dire, tu peux expliquer. Pour y avoir une relationship one to many. Dans des tables-là, pour besoin d'un common field. Et sa common field-là, mettons les student name. Et student name dans un table pour primary key. Et dans student name, les pour primary key dans student table. Mais student name, les pour un foreign key dans student subject table. Ça qui fait lui, il fait un relationship là. Maintenant, nous continuons avec nos explications. Ok, là. Explain why this table is not in second normal form. Puis qui fait une affaire pas dans second normal form. Le premier affaire, vous avez connu qui vous avez fait pour lui dans second normal form. Vous avez remove partial dependency. Ouais, vous avez remove partial dependency. Vous avez pas besoin de partial dependency. Et de cette table-là, si jamais il n'est pas dans la seconde normal forme, qui raison il n'est pas dans la seconde normal forme? Parce que les causes. Non, ici, ouais, voilà, les causes partial dependency. Ok? Veut dire à cause, bizarre, remove partial dependency, P n'a partial dependency. Non, bizarre, faut de quoi? P n'a partial dependency. Remove partial dependency. No partial dependency. Là, il peut venir dans la seconde normal forme. D'accord? Et là, nous continuons à causer. Sa table-là explique why this table is not in third normal form. Bon, pour un table in the third normal form, bien, faut de quoi payer na non-key dependency. Si il y a non-key dependency, non-key veut dire non-primary key dependency. Veut dire, il n'est pas pour the third normal form. Bien, remove non-key dependency. Bien, faut de quoi payer na non-key dependency. Veut dire, there is no non-key attributes. There is no non-key dependency. Si il y a non-key dependency, il n'y a pas pour dans third normal form. Et tu dois appliquer dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, ici, tutor group is dependent on tutor. Et tutor group is dependent on tutor is dependent on tutor group. À cause de ça, vous êtes tier tutor, depuis dans sa table-là, vous avez avoir dans l'autre table séparée. Veut dire, man dimoun qui dans un bateau, il va suivre le capitaine, bise prendre l'autre bateau et tire tout ce man dimoun là depuis là-dedans, donne ce dans le table, donne ce dans le table, les autres à l'un côté, les autres à l'autre dimoun qui je peux croire là, si je ne peux pas croire le capitaine. C'est même appelé ça remove non-key dependency. Non-key veut dire non-primary key dependency. Bon, là nous guettons encore, nous arrivons presque à la fin de ça. Sa question là, nous arrivons, vous guettez l'autre question. Ok, bon, on peut prendre une question similaire. Hein. Okay. Ouais, c'est intéressant. Mais seulement, il y a un PSQL là. Non. Allez, nous capables de faire ça, si je te dis. Allez, juin 2017, papier NN ou bien N3, question N. Correct, ça n'est pas intéressant. Vous voyez là. Juin 2017. Ok, juin 2017. Papier N3. Qui m'a vraiment dit? N même. Allez, je continue. J'ai 2017, papier NN ou bien N3. A hospital is divided into two areas. Bon. L'hôpital, il y a area A et area B. Il y a deux départements. Each area has several wards. Ward veut dire la salle. All the ward names are different. Ok. Ok. A number of nurses are based in area E. These nurses always work on the same ward. Each nurse has a unique nurse ID of string data type. Vidya, donc, un nurse qui travaille dans une seule la salle. Un nurse qui parle un droit travaille dans l'autre la salle. Et dans une la salle, ok, et dans une la salle, capable, il y a plusieurs nurses. Il existait dans la salle, il y a plusieurs nurses qui travaillent. Mais un nurse, il vient travailler dans une seule la salle. Il n'est pas qu'à marcher. Et entièrement dans la salle là, dans entièrement dans l'autre salle. Il y a un nurse qui travaille dans une seule la salle. Et dans une la salle, il y a plusieurs nurses. Il y a une many to one relationship. Describe the above relationship. Allez, the above relationship is a many to one relationship. Correct? Vous avez abusé?
pi. Ok, on a bien expliqué là. Hein? Many to one relationship. Nous continuons. Describe the relationship above. Quelle relationship? La relationship là, the many to one. Veut dire, voilà, il y a une many to one. Ok. C'est ça intéressant là. Il peut y avoir nurse ID primary key là. Mais c'est moi, il peut y avoir word name comme un foreign key. Bon, moi, c'est expliqué pour vous, qui pas trop comprendre. Regarde là. Si vous avez écrit là, c'est pour bon. Ici, qui peut besoin là? Nurse ID là. Ici, qui besoin là? Word ID. Mais rappelez bien, tous les temps, on dit. Allez, qui a écrit là rapidement? Nurse ID primary key ici. Word ID primary key là. Et la foreign key là, c'est là pour dire. Tous les temps, on a envoyé depuis 1 à minuit. Si vous avez écrit là rapidement. Non, personne? Ouais, PK, Nurse ID. Et ici, Word ID PK. Allez, vite, 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 vite. Ouais, Word ID PK, ici, Nurse ID PK, Nurse ID. Ok, hein? Allez, maintenant, c'est un carrément pour faire sa relationship. Vous avez un command field. Qui fil comment? Laquelle vous êtes qui côté? Laquelle? C'est la pas foreign key là. Allez, c'est la carte diamant. Mon gars, écoute. Mon escalier, je bien faire là. Allez, diamant. Foreign key là, laquelle tu mets? Est-ce qu'il te met nurse ID comme foreign key là-bas ou ça te met word ID comme foreign key dans nurse table? Qui ça vous faire? D'après toi. Word ID foreign key dans nurse table. Très bien. Tous les temps, tu prends depuis one, tu avoues écoute mini. Veut dire word ID pour VIN and foreign key dans notre stable. Très bien, monsieur. Top ça. Allez. Bon, pas nécessaire écrire, nous allons poser l'autre question. Hein? Correct, vous comprenez là. Hein? Tout le temps, nous prenons depuis 1, nous êtes côté mini. Très, très bien. Voilà. Maintenant, describe the relationship. C'est un petit infer là. Bon, describe the relationship. L'aimé expliquer qui dans notre stable limit word name. Bon, il n'y a pas de word ID, word name, ça. Hein? Et word name, il point faux, foreign key. Tu vas faire une suivi, là. Correct? Allez, il y a la question là qui est dit. Bon, là, hein, bien faire. Là. Maintenant, l'autre question. Describe the relationship. On finit faire ça, non? Ça, on finit faire. Describe the relationship. On finit faire. Et là, on complete the table. Ouais, on complete the table. Ouais, il est bon, là. On finit complete the table. Word name. En fait, pas de même word ID. Word name, ça n'est pas grave. Ça correct. Maintenant, explain the relationship. Comment explain the relationship? Je vous ai dit word name. Il y a un primary key dans word table. Et word name, il y a un foreign key dans nurse table. Correct là? Vous pensez tous les élèves correct là. Quelle est la réponse là? Et word name, il y a un primary key dans word table. But word name, il y a un foreign key dans nurse table. Correct? Vous pensez tous les élèves correct avec lui. Allez, effacer nos consignes. On finit ça aussi. Last year. Et bon, mon pensée. Nous vous arrêtons la classe. Ok. On a fait ça, bouton on a arrêté là. Hein, parce qu'il est un peu trop long. Ok, devine là. Area B of the hospital, there are a number of wards and a number of nurses. Correct? Each area B ward has a specialized specialism. A each area B nurses has a specialism. Okay, nurse for ox to work in any area. Like I work the ward A, area A, dépendant sur specialism qu'il peut faire. Maintenant, voilà, nous get ça. Nurse avec ward. Nurse qui travaille dans B nurse avec word nurse. Explain what the degree of relationship between the entities. Bon, qui degree of relationship veut dire qui relationship là? Il y a une many to many. Ouais, là il y a une many to many. Correct? Allez, nous guette réponse qui nous donne. Ouais, là ça, la many to many. Maintenant, nous guette l'autre question qui nous donne. Et nous guette ça. Là, il y a un many to many qui est arrivé. Il met un link table au milieu. Ça, nurse sur un détail. Ça, word sur un détail. Ça, c'est link table là. Et link table là, il y a un nom, ça détourne ce nom, il combine.
Warners. Ça souligne table. Sans fond. Pour nous relier ça, nous apprenons ça primary qui là, mettez là une foreign key. Nous apprenons ça primary qui là, nous mettez là, nous avons une foreign key. D'accord? Allez, right. Nous avons une autre réponse qui nous donne. Voilà, il prend sa primary qui là, il met là, il prend sa primary qui là, il met là, et là, il ajoute tous les deux, il fait éliminer un composite primary key. Bon, si il n'est pas ajouter tous les deux, il fait un composite primary key. Là, il ajoute un autre fil là comme primary key. D'accord? Ça, incorrect. Maintenant, il peut dire que dessine ça, il y a un diagramme. Je te rappelle, il y a sa table là, avec sa table là, c'est un many-to-many relationship. Il met un link table, là, il y a une one-to-many, et là, il y a une many-to-one. Très bien, dessine, dessine, bon, bien bon. Ok, bien bon, continuez, que ça n'a pas fait ça, très bien. Mais, il y a un symbole, ouais, bien bon. Mettre symbole là, très bien. Mettre symbole là de côté, bien bon. Et sur ordinality, ici il pouvait une one to many, ici il pouvait une many to one. Ok, tu dois faire un comprendre là. Bon, mon presque pour arrêter sa classe là, on va un coup. Voilà, arrête ce dessin là. Correct. Bon, SQL, moi j'ai fini faire la dernière classe, à cause ça, moi va vous trouver là, dans SQL, moi j'ai arrêté. Bon, moi, presque fini avec normalization, mais normalization, il y a encore beaucoup de questions si je te l'ai. Bon, pour avoir résolu la liste de questions, je suis capable d'essayer. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, ça, clané, ça aussi. Il y a beaucoup de questions de normalization. Bon, pour avoir résolu la liste, je suis capable d'essayer. Et quand je gagne un problème, je dis à moi, parce que moi, je finis la normalization. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, l'examen, il y en a lié en bas. Moi, je gagne un cas de skip tout. Mais je suis capable de travailler, je suis capable de résoudre ça. Et ce qu'ils ont pas connu, je suis capable de corriger. Mais on arrive à la fin de ce chapitre qui appelle database là. J'ai dit que j'ai un bout pour prendre normalization et on complète. Et là, nous sommes capables de prendre encore une bonne question de qui si ça m'a envie enhance, faire des vins plus bien. Ok, on arrive à la fin de sa classe là. Et on peut stop sa recording là, on peut avoir les autres dans YouTube. Il prenait